5 avril 1987, c'est la 71e édition du Tour des Flandres entre Saint-Nicolas et Merbeek. Et donc, 13 difficultés sur le parcours de 274 km. Le début de la course a été animé avec une échappée matinale. Ensuite, on a vu Skibby et Scoopers attaquer. Ensuite, le coureur danois s'est retrouvé seul à l'avant de la course. Malheureusement, pour lui, lors du passage sur le Koppenberg, il va être percuté par la voiture du directeur de course. Et derrière, sous l'impulsion de Steve Bauer et Sean Kelly notamment, un groupe de favoris va revenir et dépasser le Danois. On a donc un groupe de 10 coureurs qui va se constituer. Dans ce groupe, il y a notamment Van Hollen, vainqueur du Grand Prix Samin en 1985, un Australien, Paper, Sean Kelly, vainqueur de Paris-Roubaix de Milan-San Remo en 1986, Rooks, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 83, Van der Harden, vainqueur de l'édition 85, Sergent, troisième en 83, Udo Peters, vainqueur de Kuurne, Bruxelles-Kuurne, Adrie Van Der Poel, vainqueur en 86, et Bauer, quatrième en 86 et 87. Et ensuite, après le Bosberg, à 16 km de l'arrivée, Claudie Criquelion va attaquer. Derrière, Rooks, Sergent et Paper vont tenter de revenir sur le Belge, mais le Wallon est beaucoup trop fort avec son maillot Hitachi. L'écart va grandir tandis que les trois poursuivants vont être repris par les six autres hommes. L'écart grandit et Claudie Criquelion va arriver à Merbeek avec une minute d'avance et devenir le premier coureur wallon à remporter le Ronde van Vlaanderen. Derrière, Sean Kelly va prendre donc la deuxième place en réglant le sprint du groupe de chasse devant Eric Van der Harden, Steve Bauer ou encore Marc Sergent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao tout le monde.